Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'unboxing de ce paquet de cartes Upper Deck qui a été fait en collaboration avec Funko et qui concerne des cartes Marvel The Infinity Saga. Vous pouvez trouver ce pack de cartes sur Amazon.com et le faire expédier en France. Je ne sais plus à peu près quel est le prix, mais ça coûte quand même une certaine somme. Après, comme vous pouvez le voir, il y a 8 cartes par paquet. Il y a 24 paquets par box. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir un petit peu là, vous pouvez voir l'avant du paquet, sachant que vous voyez qu'il est encore blisté. Je vous montre la tranche ici. La tranche ici, la tranche là. Une autre tranche ici. La tranche ici. Et là, vous pouvez voir le dos. Donc voilà, comme vous pouvez voir. C'est écrit qu'on peut avoir des pops physiques avec certaines cartes. Et notamment, moi, c'est un petit peu pour ça que je l'ai pris, parce que il y a une Captain America qui est assez sympa et que j'aimerais avoir. Et donc, on va voir un petit peu comment ça se passe. Sachant que pour info, Marvel, je connais. Mais notamment les cartes, je ne connais pas trop, donc je ne sais pas à quel point les cartes vont être rares. Donc voyons voir ce qui se passe un petit peu ensemble. Et donc voilà, le blister est ouvert. Impeccable. Hop. Et donc après, ça s'ouvre. Donc ça s'ouvre comme ça. Ok. Ça s'ouvre comme ça. Et donc on a tout un paquet de boosters là-dedans. Impeccable. Voilà. Hop. Je vais les mettre sur le côté. On va les ouvrir un par un. On va bien voir sur quoi on tombe. Bon, vu le nombre de boosters, le nombre de cartes et tout, la vidéo sera un petit peu longue peut-être. Je vous avoue que pour le moment, moi, c'est un test que je fais, je n'y connais rien du tout. Donc, je ne sais pas trop comment placer les mains, tout ça et tout. Donc, si c'est pas génial, vous m'excuserez.